Je vais ralentir pour lui parce que frère, il va crever lui. Voilà. Les choses évoluent et c'est comme ça. C'est tout à fait normal. Par contre, me freine pas la gueule, mais espèce de gogol, va. C'est vraiment réaliste, hein. Là, par contre, je prends du plaisir parce que c'est vraiment réaliste. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui. Très bon dimanche, d'ailleurs, c'est vrai, c'est dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 avec le même camion que dans la dernière vidéo, à savoir ce Mercedes Actros, New Actros Giga Space, évidemment, toujours le même, mais customisé d'une nouvelle façon. Vous l'avez vu, nouvelle peinture, nouvel intérieur aussi que je vais vous montrer. Toujours la même remorque. Aujourd'hui, nous sommes de retour à Osterfund, comme dans la dernière vidéo. Alors, la dernière vidéo, c'était le convoi avec les abonnés. On en parlera d'ailleurs. Mais du coup, l'avant-dernière vidéo, donc le dimanche dernier d'ailleurs, c'était à... Eh, vous savez quoi? On va se faire ce rendez-vous le dimanche, en fait, hein, si vous êtes chaud. Voilà, je viens de capter. Donc, on était à Osterfund, sous la neige, et on découvre de nouvelles routes. Et là, on va continuer de découvrir de nouvelles routes. On va aller à Trondheim. On va transporter des palettes vides. Et on va prendre cette petite route qui m'a l'air plutôt sympathique. Après, on verra si on continuera ou pas de nouvelles livraisons. Mais vous voyez, il y a voilà, quelques petites routes qu'on peut encore explorer. Et ça, ça fait plaisir. On va charger. On va charger parce que j'ai pas encore chargé. Et puis, on va pouvoir commencer tranquillement. Avec ce camion et le soleil qui se lève, ça fait plaisir. Franchement, pareil. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du camion. Je suis trop content. Et franchement, il envoie. Hein. Il envoie. Il a vraiment de la gueule. Je sais pas si je préférais l'ancien skin, mais voilà. Et c'est la période hivernale, donc avec le DLC, je sais plus comment il s'appelle. Et ben, je me fais des petits plaisirs et on les essaye tous. Pour ce qui est de l'intérieur, je vous montre vite fait ce qui est de l'intérieur. Hop. Alors, j'ai changé. Les clignotants, c'est chiant. J'ai changé ici, là. Comment ça s'appelle, les rideaux, là? Non, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, donc j'ai mis ça, cette fois-ci. Très bientôt, ce sera des guirlandes de Noël. Ici, la chaîne YouTube de L7C Fox, parce que, bah voilà, j'ai un petit peu regardé sa chaîne YouTube. D'ailleurs, on va pouvoir parler de quelques petites choses. N'hésitez pas à aller regarder sa chaîne YouTube, les gars. L7C Fox, ça déchire tout. L'intérieur, j'ai changé des choses. Ah, bah, le poster Eneba, je crois qu'il était déjà. Le petit coussin M-Colo, bientôt en vente, pas du tout. Ici, de la bière de Noël M-Colo aussi. Bientôt, je vais sortir une marque de bière. Hein. Ici, le petit, petit clin d'œil à Far Cry 6 pour ceux qui ont suivi le Let's Play. Et puis voilà, je crois que c'est tout en fait. Hein. Là, la GoPro évidemment, mais c'est pour que vous me voyez en vidéo. Et puis voilà, en fait, je crois qu'on a tout qui est comme d'hab sinon. Et puis voilà, on va pouvoir partir. Alors, ne faites pas attention à quelque chose. Je risque d'avoir des pannes moteur. Je risque d'avoir des pannes moteur. C'est tout à fait normal. Il faut pas s'inquiéter. Par contre, on va passer dans un atelier. Ici là, il y en a un là. Bah c'est bon, c'est sur le chemin. On va s'arrêter à l'atelier. Voilà, il faut que je répare le camion. Me demandez pas pourquoi. Il y a des choses qui ne se disent pas. Mais il est vrai. Il est vrai que avant de commencer cette vidéo, j'ai fait de la merde, je crois. Donc donc voilà. Je suis très content parce qu'on est repassé sur un 6 vitesses. Hein, vous savez que moi, les camions 6 vitesses, eh ben c'est que du bonheur. Et donc là, vraiment, c'est plutôt cool. Surtout que là, on transporte des palettes vides. Alors, c'est pas forcément léger, mais c'est pas forcément lourd non plus. Donc, clairement, avec 6 vitesses, ça suffit largement. Sous la neige, faut faire gaffe, hein, évidemment. Mais voilà, ça fait plaisir. Donc, je suis très, très, très content. Allez, c'est parti. Merci beaucoup pour vos retours sur eh bien, les deux dernières vidéos Euro Truck. Hein, que ce soit donc l'avant-dernière, le dimanche dernier, donc où on était arrivé ici à Osterfund, sous la neige. Trop content de vos retours, vraiment, je vous remercie énormément. Et pour ce qui est de la vidéo qu'on voit abonné, merci beaucoup à vous. Petite parenthèse aussi, parce que j'ai vu des commentaires qui disaient « Ah, mais moi, j'aurais pas de chance, j'arriverai jamais à venir dans un convoi. » Alors, il faut pas voir ça comme ça. Déjà, dans tous les cas, les convois abonnés, c'est quelque chose qui se fait de manière rare, de manière occasionnelle, on va dire. C'est pas un truc que je fais tous les dimanches. Oui, oui, mauvais fonctionnement du moteur. Il faut que je redémarre. Tout va bien, hein. Vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Allez! On va s'en sortir de rien du tout avec ce mec devant. Oh. Ah, tu vas me dire, là, c'est réaliste. Hein. Là, c'est totalement réaliste. Ah, mais il va à gauche, d'accord, excusez-moi. Je parle mal. Bref, oui, donc, dans tous les cas, c'est quelque chose d'assez occasionnel. Et il faut pas le prendre mal, évidemment, mais le but du jeu, c'est qu'en fait, je sélectionne les gens. Voilà, je les sélectionne forcément, il n'y a pas d'histoire de hasard ou quoi. C'est moi qui les sélectionne en fonction de mes envies, de mes appréhensions, etc. Et j'ai pas à me justifier d'ailleurs en fait, parce que c'est vrai que concrètement je fais ce que je veux. Faut savoir aussi que je voulais aussi remercier, c'est pour ça qu'il y avait une nouveauté au camion.
parce que je voulais le remercier puisqu'il s'est sub à la chaîne YouTube. Seb également, merci à toi. Et puis il y a Margot aussi, Margot fidèle au poste, qui s'est aussi sub à la chaîne YouTube et qui n'a pas pu être là. Voilà, j'essaierai de récompenser ça à la juste valeur, comment dire, de récompenser ça au mieux prochainement, donc que ce soit pour un autre convoi ou pour peut-être un autre concept ou une autre vidéo, il y aura Margot qui sera là. Donc voilà, vraiment, et je veux pas non plus que vous croyez que ce sub à la chaîne YouTube, donc payer un abonnement là de 4€, ça vous donne des pouvoirs de ouf. Pas du tout, c'est juste un soutien. Et comme c'est un soutien, bah, j'aimerais quand même récompenser, remercier à fond. Remercier à fond. C'est où que je dois tourner là? Putain. C'est où je dois tourner pour réparer? Attendez, c'est là? Je suis perdu. C'est bien. Ouais, c'est là, c'est bon. Là, il faut que je prenne à gauche, je crois. Aussi, j'ai rajouté les mods pour enlever les barrières. Hein. Les barrières invisibles. Donc, je risque d'être un petit peu perdu. Puisque du coup, voilà, il n'y a plus les limitations de map. J'ai aussi enlevé le mode avec les motards. Bah, parce qu'en fait, je me suis dit, c'est un peu con. Et c'est vrai, vous l'aviez pas dit en commentaire, mais c'est un peu con des motards dans la neige. Alors oui, oui, ça peut arriver. Mais le problème, c'est qu'on croise beaucoup, beaucoup de motards. Et ça, c'est un peu moins réaliste. Donc, je les ai enlevés, tout simplement. C'est ici. Parfait. On va pouvoir aller à l'atelier, évidemment, comme d'habitude. On va faire en sorte de bien rouler RP comme il faut. Je m'en sors plutôt pas mal, je dois dire. Hop! Alors, on va pas regarder le montant, ni le pourcentage de dégâts, parce que là, vous allez vous poser des questions. Donc, je vous invite à fermer les yeux dès maintenant. On est sur un 14%, 22%, 28% pour le châssis qui a bien pris un coup. 31 000 € de réparation. Voilà, les gars. Je ne vous dirai pas ce qui s'est passé en off, mais il s'est passé. Voilà. Hop, ça c'est dit, ça c'est fait. Peser, emballer. On va pouvoir commencer notre mission. Enfin, commencer notre mission, elle a déjà commencé. Hein. Très joli Volvo. Prochaine vidéo, les gars. Prochaine vidéo, on va refaire un convoi exceptionnel. Donc, tout seul. Hein. Un convoi exceptionnel. Je vous ai préparé, je vous ai concocté un petit camion des familles. Un petit camion convoi exceptionnel. Je suis très content et j'ai très, très hâte. Je prends un réel plaisir, les gars, à customiser mes camions, parce que maintenant avec, voilà, tous les DLC, les mods aussi que j'ai rajoutés, les mods qui sont compatibles avec les DLC, etc, etc, bah forcément là je m'amuse de ouf à customiser les camions, maintenant que j'arrive aussi un peu à maîtriser les customisations, par exemple du Sizel Megapack, tout ça, enfin voilà, vraiment je suis trop content et ça va être une dinguerie, j'ai très très hâte de faire ce convoi exceptionnel, premier convoi exceptionnel qu'on fera, et sous la neige, hein. C'est ça hein, le truc, hein. Parce qu'on a déjà fait des convois exceptionnels, je m'en suis vraiment bien sorti, mais sous la neige, c'est encore autre chose. Bon, je m'en sors relativement bien sous la neige, donc ça, c'est cool. Et puis, voilà. Un truc qu'on pourra faire pour les prochains convois abonnés, si j'en refais un dans les prochains temps, eh bien, c'est qu'on mettra la neige. Ça, vous me l'aviez suggéré en commentaire. Et ce sera avec grand plaisir, parce que, voilà, il suffit juste que tout le monde ait ce mode. Et en fait, c'est simple, c'est gratuit, donc pas de problème à ce niveau-là. Donc, avec grand plaisir. Le concours Eneba. Je crois qu'on a eu un incompris. Je crois qu'on a eu un incompris. Je voulais vous le rappeler, les gars. Dans la dernière vidéo, donc sur le convoi avec les abonnés, j'ai fait une intro. D'ailleurs, merci pour vos retours sur cette intro. Voilà, je me suis un petit peu fait kiffer. Voilà. Je voulais faire un petit peu le con. Bon, bref, j'ai fait une intro pour vous introduire le concours de Noël. J'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que très peu ont compris. Parce que très peu ont participé au moment où je tourne cette vidéo. Alors, peut-être que vous ne voulez pas gagner. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, évidemment. On n'est pas là pour forcer les gens à jouer. Ça, c'est comme vous voulez. Si vous voulez pas jouer, c'est comme vous voulez. Ça donne plus de chance aux autres. Mais, disons que voilà, il y a 30€ à gagner sur Eneba. C'est juste un truc de ouf. C'est la première fois que... Ben, c'est un des meilleurs concours que j'ai pu vous faire. Parce que, ben, c'est une valeur de 30€. Sur Eneba, 30€, ça représente beaucoup de choses. Hein. Je vous rappelle que Euro Truck, il coûte 5€ sur Eneba. Les DLC, en moyenne, ils coûtent 5-7€ en moyenne. Ça dépend lesquels, il y en a qui sont plus chers que d'autres. Il n'y a pas encore le DLC Iberia malheureusement. Mais bref, donc en fait avec 30€, vous achetez vraiment ce que vous voulez sur Eneba. Il y en a qui m'ont demandé est-ce que ça fonctionne sur console ou quoi. Mais bien sûr, en fait, tu peux tout ce qui est sur Eneba, tu peux l'acheter. Tu peux même acheter les produits d'occasion, les produits d'occasion physiques. Tu vois, si maintenant tu vois qu'il y a un... Parce que maintenant, Eneba, c'est aussi une vente de particulier à particulier, si vous voulez. Donc si maintenant, il y en a un qui vend un joystick à 15€, par exemple, bah, avec les 30€, bah, vous pouvez payer... ce fameux joystick, et après il vient chez vous, et après il vous reste encore 15€ que vous pouvez dépenser, vous pouvez mettre votre propre argent aussi, mais du coup vous pouvez acheter voilà, des cartes cadeaux Steam, des cartes cadeaux, enfin des cartes cadeaux Steam, des jeux Steam, des cartes cadeaux Google Play, des cartes cadeaux donc sur le PSN, sur le Xbox, donc voilà, vous pouvez, tout ce qui est sur Eneba, et ben vous pouvez le payer avec ces fonds là, donc c'est 30€ à gagner, et en fait pour participer, et ben c'est très simple, c'est sur la dernière vidéo, donc la vidéo convoi abonné, que je remettrai en description du coup, vous allez sur cette vidéo là, et vous commentez, je participe,
suivi d'un moyen de contact ou de plusieurs, votre Twitter, votre adresse mail, peu importe, bref, un moyen où je puisse vous contacter dans le cas où vous gagnez, pour pouvoir vous donner tout simplement vos 30 euros. Voilà, tout simplement. Donc c'est tout aussi simple, et je suis trop content de faire ce concours, mais c'est vrai que j'ai l'impression que pas beaucoup ont compris, ou alors n'ont pas envie de participer. Après, je sais pas, hein, la vidéo elle sort dimanche, peut-être qu'entre-temps il y aura beaucoup de participation, mais au moment où je tourne, il n'y a pas beaucoup de participation, donc je me dis, est-ce que j'ai mal amené le truc? C'est une bonne question. Mais en tout cas, voilà, faites-vous kiffer. Pourquoi il y a eu un bug comme ça, je ne sais pas. Je suis passé en neutre, il y a eu un freeze et je suis passé en neutre. Très bizarre. Donc, voili voilou. Je vous ai tout dit au niveau des modes, je vous ai tout dit au niveau du concours, et au niveau donc de la vidéo qu'on voit. Bon là, vous le voyez, hein, alors pareil, on peut en reparler parce que c'est notre chaîne YouTube à tous, mais j'ai de nouveau le micro et le casque de HyperX. Vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. J'ai un peu le seum. Mais on s'y fait, hein, pour vous rappeler. Hop là, Trondheim, c'est parti. J'ai eu peur que ce soit une autoroute. C'est totalement une autoroute. Je me suis fait arnaquer, je crois. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Non, c'est pas une autoroute. Si, c'est une autoroute. Je ne sais pas, on verra. Mais ça reste une petite route avec des virages. De toute façon, c'est limité 70, hein, n'oublions pas, il y a de la neige. Bref, non, c'est pas une autoroute, c'est bon. Bon, bref, excusez-moi. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu, voilà. Ah oui, bah voilà, bah du coup mon casque micro, le Beyer Dynamics. Alors attends frérot, double-moi, mais voilà, prends l'initiative de me doubler. Voilà, et l'autre derrière, tu attends. C'est mort pour toi. Hein. Il va me rentrer dedans, le con. C'est bon. Il m'a fait peur. Mais attendez. Ah non, c'est une bande d'arrêt d'urgence à droite, on va pas faire la même erreur. Bref, oui, donc le Beyer Dynamics, le DT797 PV, qui est incroyable, hein. Et franchement, dites-moi ce que vous en avez pensé dans la vidéo qu'on voit, je l'ai utilisé. Mais en fait, il a des problèmes, ça ne s'est pas entendu dans la vidéo, donc c'est nickel, mais il a des gros problèmes. Donc je l'ai renvoyé, donc j'ai un petit peu le seum. Donc là, j'attends de le recevoir, en tout cas un nouveau. J'espère en tout cas que ça va fonctionner, que j'aurai pas de problème. Et j'ai trop hâte parce que c'est une liberté de mouvement. Tu vois, genre là, vous m'entendez moins bien. Là, vous m'entendez plus. Voilà. Là, vous m'entendez plus. Bref. Avec ce fameux casque et tout, c'est juste que du bonheur. Et la qualité du son, la qualité du micro, tout est génial. Malheureusement, j'ai eu un problème avec. En fait, ça fait une saturation bizarre. Enfin, une saturation. Un grésillement, en fait. C'est à cause des câbles XLR, en fait. Hein. Je vous le dis, c'est très technique. C'est très... de la connerie aussi, surtout. C'est des choses qui arrivent. Mais pour 300 euros, évidemment, je ne vais pas ignorer ce problème. Hein, quand même. On va pas déconner. Donc, je l'ai renvoyé. Et il devrait revenir je ne sais pas quand. Donc, pour le moment, on est de nouveau de retour avec ce setup. Pour vous, ça change pas grand-chose parce que vous avez l'habitude que j'ai ça depuis toujours. Pour moi, ça change beaucoup parce que je me suis très vite habitué au casque micro et à ne plus rien avoir devant moi. Et là, j'ai tous les câbles qui pendouillent dans tous les sens. C'est infâme. Je vous le dis, c'est infâme. Ça va, je m'en sors, mais c'est infâme. Donc voilà. Donc j'ai très très hâte que ça revienne. Et puis voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce niveau-là. La chaîne YouTube de L7C Fox, juste ici. Vraiment, je voulais en parler parce que c'est vrai. Alors, c'est pas lié. Mais un petit peu quand même, parce que j'avais vu une des dernières vidéos d'L7C Fox et il parlait que comme quoi il n'y avait plus les dislikes sur les vidéos. Et c'est vrai que c'est le nouveau truc de YouTube maintenant, c'est qu'il n'y a plus de dislikes sur les vidéos. On voit plus les pouces rouges. On peut toujours en mettre, mais on les voit plus. Salut le Trucky! On les voit plus. Mais le créateur les voit. Enfin, peut les voir, parce que du coup, t'es pas obligé de les regarder. Et sauf que moi, je suis toujours en retard. Moi, je suis toujours en retard sur tout. Je sais pas pourquoi. YouTube ne m'aime pas, de toute façon. Et puis voilà, ça tombe bien parce que voilà. Bref. Qu'est-ce qui se passe ici? Attends, parce que là, il y a tout le monde qui sort de n'importe comment, là. Il y a un gros virage aussi. Ah, c'est vraiment bien qu'il n'y ait plus les barrières. Hein. C'est beaucoup plus réaliste. C'est super joli. Regardez-moi ça. On est en Haute-Savoie ou quoi, là? C'est magnifique. Oh, c'est vraiment beau, quoi. Non, vraiment, c'est beau. Il n'y a pas à dire. Eh, franchement, on fait la miniature ou pas? On fait la miniature. On fait la miniature, les gars, il n'y a pas à débattre, il y a tergiversé pendant 30 ans, c'est non négociable, on fait la miniature, bien sûr qu'on fait la miniature, oh, bien sûr qu'on fait la miniature. Attendez, on va augmenter ce petit FOV, on va se mettre comme as, et on va essayer comme as, tac, 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 oh oui, comme ça, bien sûr, de toute évidence. Allez, c'est pesé, c'est remballé, comme disent les Legends. Oh, j'ai oublié une subtilité sur le camion, je suis trop bête. C'est pas grave, je vais vous le montrer après à l'extérieur. J'avais oublié une subtilité, ça faisait longtemps que je l'avais customisé. Et j'avais oublié, vous allez voir tout à l'heure. Bref. Donc oui, je suis en retard. C'est-à-dire que quand tout le monde avait déjà cette fonctionnalité, que du coup on ne voit pas les dislikes, moi je l'avais encore. Donc je voyais toujours YouTube avec des dislikes. Et les gens disaient, ah bah vous pouvez plus mettre de pouces rouges, nan, 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 mais moi je les voyais encore. Maintenant c'est bon, je fais partie de vous tous.
à qui bah, vous ne voyez plus les dislikes. Et j'aimerais bien qu'on en discute. J'aimerais bien qu'on en discute. De toute façon, ça a déjà fait polémique, ça a déjà fait débat. Tout le monde en a déjà parlé, tout le monde a déjà évoqué ses idées. Moi, j'aimerais bien voir ce que vous en pensez et j'aimerais évoquer mes idées également en vidéo. Parce que je trouve ça assez sympa. Et pourquoi je parlais d'L7C Fox? Bah tout simplement parce que c'était sur une de ses vidéos où il avait dit ah bah de toute façon vous pouvez plus mettre de pouces rouges. Et moi je voyais encore ses pouces rouges. Mais maintenant c'est bon, on est tous sur le même pied d'égalité. Alors je dois dire que bon bah forcément quand l'annonce a été faite et qu'on en a tous entendu parler de ce fameux dislike qui disparaît, bah j'étais perplexe. Je le suis toujours. Mais j'étais perplexe bah, parce que tout simplement YouTube ça a toujours été depuis la nuit des temps des likes et des dislikes. Et en fait c'est une des... Bah c'est la seule plateforme en fait où on peut encore disliker. Bah du coup maintenant c'est plus le cas. Pour le moment. Et du coup bah ça me faisait chier parce que bah c'est vrai que, alors tout le monde en a déjà parlé, c'est les avis qui reviennent, mais voilà, on aimait bien ce ratio de voir les likes et les dislikes, ça permettait de savoir vraiment si la vidéo était appréciée, etc. etc. Je m'en suis surtout aussi rendu compte, maintenant que les dislikes ont vraiment disparu, bah par exemple quand tu regardes un tutoriel, c'est surtout ça en fait, hein. C'est même pas les arnaques ou quoi, ou le contenu des vidéos, parce que voilà. Oh c'est magnifique. Mais en fait par exemple les tutoriels, quand tu regardes un tutoriel, eh ben quand tu lances la vidéo, tu vois tout de suite quand il y a 1 milliard de dislikes, bah t'as pas besoin de regarder la vidéo, tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Ou alors, attention hein, que les gens ont mal compris le tuto. Et ça c'est des choses qui arrivent. Et c'est pour ça que je vais en venir, que j'ai trouvé le compromis. En vrai, c'est aussi d'une autre partie une bonne chose qu'il n'y ait plus les dislikes, en tout cas qu'on ne les voit plus. Ça permet aux gens de d'abord regarder la vidéo et d'essayer de la comprendre avant de critiquer ou de juger. Parce que c'est vrai. Le truc, c'est que c'est un truc qui me faisait chier. Et donc, dans ce cas-là, c'est cool, mais c'est un truc qui me faisait chier sur mes vidéos quand il y avait des dislikes dès le début. Qu'il y avait plein de dislikes qui venaient, alors que franchement, moi, je comprenais pas. Je kiffais faire ma vidéo, je la trouvais pas mauvaise. Et le problème, c'est que moi, ça me faisait complexer. Non pas pour moi, hein, mais ça me faisait complexer pour mon contenu quand je voyais masse dislikes sur mes vidéos dès le début. Parce que j'étais en mode, mais les gens, du coup, la première image qu'ils voient, c'est tous ces dislikes. Alors, plus tard, il y avait des likes qui venaient, hein. Mais il y a toujours les rageux qui mettent leur petit pouce rouge dès le début. Et en fait, moi, ça me fait chier parce que bah, les gens qui regardent, qui viennent voir la vidéo et qui voient ça tout de suite, ils se disent « Ah, lui, il est pas apprécié. » Et du coup, bah, dès le début, les gens, ils ont une mauvaise image. Résultat, maintenant qu'il n'y a plus les dislikes et qu'il n'y a que les likes, eh ben, du coup, bah, les gens vont d'abord regarder si bah, voilà, la gueule du mec, comment il présente son truc, etc. Et après, ils se disent « Est-ce que je l'apprécie? Est-ce que je l'apprécie pas ?» Et libre à chacun de ne pas m'apprécier. Ça c'est le but du jeu et c'est ce qui me plaît. Alors toi tu vas te faire foutre, toi je te mets un dislike direct. Mais, donc ça c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que de l'autre partie c'est un peu dommage parce que du coup tu ne... Pour, par exemple les tutoriels, je pense à ça, ben du coup tu n'as plus... tu ne sais plus vraiment. Tu ne sais plus vraiment si c'est fiable ou pas. Donc d'une partie c'est bien, de l'autre c'est moins bien. Moi ce que j'aurais bien aimé, mais après je pense que ça a ses limites. Ce que j'aurais bien aimé c'est qu'on puisse en fait décider si oui ou non on veut afficher les dislikes. Bah parce qu'en fait on a toujours... pu décider si on voulait afficher ou non la barre. Vous savez, on peut cacher les likes et les dislikes depuis la nuit des temps. Donc en fait, ça aurait été génial qu'on puisse décider si oui ou non on veut afficher les dislikes ou non. Mais après, je peux comprendre que ça ait ses limites, bah parce qu'il y en a qui... Moi, je l'aurais laissé activer, il y en aurait beaucoup qui l'auraient laissé activer, et il y aurait d'autres personnes qui désactiveraient, et je pense que ça ferait un peu genre... ah bah ceux qui désactivent, c'est des flippettes. Enfin, tu vois, je pense que ça créerait plus d'ennui qu'autre chose. Donc je suis assez mitigé. Je suis assez mitigé et oh merde. Je suis assez mitigé mais je pense qu'on va devoir s'y habituer et c'est bien d'évoluer. Faut pas dire que c'est la fin de YouTube, hein, pas du tout. Les gens qui disent que c'est la fin de YouTube, bah non. C'est juste que c'est la fin. Disons que les choses évoluent, les choses changent. Que ce soit en bien ou en mal. Attends lui, je vais ralentir pour lui parce que frère il va crever lui. Voilà. Les choses évoluent et c'est comme ça. C'est tout à fait normal. Par contre, me freine pas à la gueule, mais espèce de gogol, va. C'est vraiment réaliste, hein. Là, par contre, je prends du plaisir parce que c'est vraiment réaliste. Là, je m'énerve pas contre l'intelligence artificielle parce que ça, c'est un comportement qui est totalement... Bon courage à vous, les routiers. Bon courage. Et avec la neige qui arrive, bon courage. Je pense fort à vous. Mais bref, c'est trop joli, hein. C'est vraiment trop joli, hein. Ouais, parce que je voyais des youtubeurs, des gros youtubeurs, des anciens youtubeurs, des dinosaures, comme on dit. Notre client souhaite, et notre client déjà, encore une fois, hein, qu'il soit content qu'on lui livre. J'ai entendu de la musique. Alors, vous l'avez peut-être pas entendu, mais j'ai entendu de la musique dans mon oreille droite. Ça m'a fait flipper. Ok, très bizarre. C'était une sonnerie de téléphone.
Il y a des dinosaures qui disent ouais YouTube c'est terminé, nanani nanana, en plus maintenant c'est YouTube Shorts, bref nanani nanana. Bah ouais mais non YouTube c'est pas terminé du tout, ils vont dépasser Twitch et personne s'en rend compte ou quoi, mais c'est un truc de taré. YouTube il s'inspire, ok, il plagie TikTok, il plagie Twitch, c'est ce que vous voulez. Mais en fait à partir du moment où il y a de plus en plus d'annonceurs, où il y a de plus en plus de pubs, etc. Bah non en fait, c'est juste, ils arrivent de mieux en mieux en fait. YouTube n'est pas mort, au bien au contraire, il revit. Et ça les gens ne comprennent pas, c'est pas parce que toi qui as fait des vidéos en 2011... qui avait bien marché à l'époque et maintenant ne fonctionne plus. C'est pas... Il faut savoir se remettre en question parce que je fais partie de ces gens-là qui vont faire un accident dans un giratoire. Voilà. Eh ben heureusement que j'ai des bons pneus, frérot. Hein. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu emporté par mon sujet. Je fais partie de ces gens-là déjà en 2018 et tout, 2017 même si vous voulez. Bah voilà, à partir de là déjà le contenu ne devait plus être le même sur YouTube, les gros let's play, les séries Minecraft, les trucs comme ça, c'est fini, tu vois, depuis la nuit des temps, c'est fini, et moi, j'ai du mal avec ça, parce que, ben, j'ai été bercé par ça, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours aimé les let's play, mais maintenant, c'est plus ce qui plaît, tu vois, c'est plus du tout ce qui plaît, mais, et donc, faut savoir se remettre en question, moi, ça fait depuis des années, et du coup, je continue de faire ce qui me plaît, tu vois, genre, les gens préfèrent les contenus courts, toujours avec des cuts, des zooms très rapides, très verticales, mais je m'en fous, moi, je veux bien m'adapter et en faire de temps en temps. C'est pour ça que je me mets à faire des shorts, que je fais des TikTok, que etc. Mais je continue à faire ce qui me plaît, de voilà, faire des gameplay Euro Truck, faire des petites séries de temps en temps quand j'en ai envie, même si ça ne marche pas. Mais du coup, je vais pas chialer à dire YouTube ne fonctionne plus. Bah non, mais c'est juste moi qui ai has-been, c'est tout. Faut savoir se remettre en question. Voilà, c'est YouTube n'est pas mort. C'est tout ce que je voulais dire. YouTube n'est pas mort, bien au contraire. C'est nous qui sommes morts, si vous voulez. C'est plutôt ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une voie à droite? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a une voie à droite. Des fois, tu sais pas si c'est une bande d'arrêt d'urgence ou non. Et là, en l'occurrence, c'était bel et bien une voie. Et ben, franchement, il est très sympa ce trajet. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, c'est un petit peu d'autoroute limite, mais ça reste quand même des petites routes. Et là, il faut que je sorte. Désolé, hein. Je fais ça en retard, mais il fallait le savoir. Hein. Et là, il faut que je reste à gauche. Oh, je suis... C'est compliqué ce GPS, hein. Il est compliqué, on a failli rater plein de sorties. Mais non, mais ça servait à rien que je sorte. Oh, j'ai trop le seum. Il me fait sortir pour revenir, en fait. Bon, c'est pas grave. Hop. Ah oui, ça revient même. Mais il me passe en neutre tout le temps quand il y a un freeze. C'est un truc de malade. Je suis en automatique, hein, je le rappelle, les amis. Hein. Donc, très bizarre. C'est magnifique. Là, on est plutôt pas mal. J'aime beaucoup, hein. Franchement la neige, je le sais déjà que ça va me manquer. C'est pas encore fini hein, la neige, hein. Bien au contraire c'est que le début. Mais je sais déjà que ça va me... Je suis déjà nostalgique de cette période de Noël alors qu'elle a même pas commencé frère. Oh mais quel cassos. Canon, et le camion il a du mal hein. Il fait des bruits bizarres le frein. Hop là. Trop stylé. Alors là par contre, Trondheim découverte. J'y vais, messieurs, dames. Dali. LED. Vous connaissez LED? Ah, vous connaissez forcément une personne qui est LED. Allez, salut. Vous me connaissez, moi. Voilà, ça là, les cadeaux. Ça vous évitera de vous trash talk. Que de l'amour. Ikea, bien sûr. Bah oui, on est dans le nord. Bah non, Ikea, c'est suisse? Non, je sais plus. Oh là là. Oh, pas du tout. J'en ai aucune idée. Et là, on a un point d'interrogation. Ça va être... Je ne sais pas ce que ça va être. Ça va être une agence de recrutement. Pourquoi tu freines pas? Il faut freiner dans la vie. Ouais, c'est une agence de recrutement. Ah, merci, monsieur, c'est gentil. Merci. Voilà, c'est ça, une agence de recrutement. Et nous, on va à gauche, là, c'est ça? C'est ça. Et on va avoir une manœuvre facile, je pense. Je pense, hein. Parce qu'on a été très sage. Hop là. Ah oh oui, je pense qu'on va avoir une manœuvre facile. Pas du tout. Je ne la sens pas, cette histoire. Ah oh oui. Allez, let's go. Ça fait plaisir. Ah, du coup, c'est pas une manœuvre. Ça fait plaisir. Bam. Une bonne route que nous avons réalisé et dans les temps. Laisse-moi vérifier. Temps restant 28 minutes. Et bah voilà, pourquoi tu me mets la pression? Pourquoi tu me mets la pression?
Ah oui, je vais vous montrer la particularité du camion que j'avais complètement oublié dès le début. Mais qu'est-ce que je fais? Mais je suis complètement con, moi. Non, mais je suis bête, j'ai cru que c'était une mission rapide. Non, non, il faut que je coupe le moteur. Non, mais je suis voilà, je suis bête. Allez, on décharge, voilà. Le mec, il enlève sa remorque, le con. Bah oui, bah en fait, je pouvais faire ça aussi. Alors, voilà, ça c'est fait, bam bam. Je vous montre la petite particularité que j'avais complètement oubliée. Très important. Très important, très intéressant. C'est sur le devant du camion. Et c'est vrai que ça ne se voit pas parce que c'est sombre. Mais en vrai, je pense que les connaisseurs l'auront vu. Alors, je remets le moteur. Normalement. Voilà. Alors, je réalise qu'en fait, c'est complètement illégal. Hein. En fait, j'avais pas fait exprès, mais le bleu, ça fait gyrophare de police ou de secours, en fait. Et du coup, t'as pas le droit de faire ça. Bon, dans tous les cas, je suis pas sûr que t'aies le droit. Mais si j'avais mis une autre couleur, ce serait mieux. Je suis bête. Mais en tout cas, voilà, c'était pour la petite. Pour le fun. En fait, j'avais vraiment envie de mettre ça. Bah, parce que ça fait un peu guirlande de Noël. J'ai découvert ça, j'ai trouvé ça trop stylé. Quand on sera à Noël, les gars, ce sera pas du tout réaliste. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, je vous le dis. Mais il va y avoir des couleurs dans tous les sens. Donc, les guirlandes de Noël. Le classique, mais il y aura des... Ça clignotera dans tous les sens, de toutes les couleurs et dans n'importe quelle direction. D'accord? Ça n'aura aucun sens. Le camion, il va être... Il va être comme ma peau, si tu veux, tu vois? Ça va être incroyable. J'espère que vous allez kiffer. Et puis voilà, on est très très bien. On va s'en arrêter là pour cette vidéo, les amis. Hop. Bon, maintenant que j'ai démarré le moteur, je vais juste, eh bien, me ranger à quelque part. Le temps, évidemment, qu'on m'appelle pour une autre livraison. Ah non, mais j'ai encore ma remorque, je suis con. Bah oui, je vais pas la laisser là. Voilà, on va se mettre sur le côté. Comme ça, on laissera les gens manœuvrer. Sans les faire chier. Hop, tac, je vais me mettre dans le coin ici. Voilà, bam, et on coupe. Ah, normalement, je fais chier personne. En tout cas, voilà. Enfin, je fais chier personne, c'est vite dit. Ah, c'est bon. Je fais chier personne. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Vous pouvez pas mettre de pouce rouge, c'est con. Non, vraiment, le pouce bleu pour le référencement, pour m'aider, pour faire plaisir, parce que justement, s'il n'y a plus de pouce rouge, le pouce bleu, il continue toujours de faire plaisir, les gars. Et puis vos commentaires, évidemment, j'ai hâte de vous lire, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Prochaine vidéo, qu'on voit exceptionnelle. Bam, badabim, badabam, bam, 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 bam. Allez, ciao tout le monde. Salut mon pote.